toi, fais le tour, fais le tour, fais le tour, fais le tour. Ah ouais, montre-la un petit peu là. On vous régale sur Otomito, on vous régale quand même. Et on se regrimpe, allez viens. Ah frérot, laisse tomber là, là j'ai récupéré le MJGT 6-3 là. Totalement pas, c'est un bordel. Hein. Celui-là, là. Laisse tomber. Bon. Il est parti. Voilà, petite balade dans Paname. Donc là, c'est léger hein, celui-là frérot, c'est un 6-3 GT. Si je me souviens bien, c'est un V8 de 585 chevaux. Celui-là, il arrache. Voilà. Que dire? C'est du classique, c'est du AMG. Hein. Voilà, c'est comme les classes A, les CLA, les nouveaux modèles. Là. Volant épuré, sport. Ah, madame cycliste, pourquoi vous te portez comme ça? Elle fait me tuer. Voilà, tu vois, c'est du classique, frérot. Mode confort, mode race, comme d'habitude. Bon, là, on est en ville. Hein. Quand on est en ville, je te mens pas, à pas trop consommer, à la pollution, on va rester en confort. C'est un peu mieux, tu vois. Voilà, frérot, là c'est on s'arrête au feu, bien sûr. J'ai envie de te dire, c'est quand même mieux. Sinon, on reste par 4 points, là, ça peut. Hein, voilà. Donc, ça, frérot, tu sais combien elle fait, magasin celle-là? 175 000 euros, si je me souviens bien. Donc, évidemment, elle est pas à moi la voiture, parce que sinon, je serais pas là à faire des vidéos sur YouTube. Mais à là, mon avis, il doit faire un peu plus. Bah peut-être 200 000 hein. Plus de 200 000 je pense. Ça dépend des configs. Ouais ouais c'est ça. C'est vrai. Ça dépend des configurations. Donc là frérot, tu vois, c'est. J'ai même. T'as vu? Je suis en confort. Hein. Je suis en confort, je suis à 40 km/h. J'entends le bruit là. Le tu vois, dire que la voiture elle en veut. Tu vois? Mais bon. On va la laisser tranquille pour le moment. Je crois bien. Parce que là encore un peu en ville, voilà, j'ai pas trop de. Hein, de capter. Alors frérot. Où tu m'emmènes frérot, là, dis-moi tout. Parce que là j'ai mis Waze mais je sais pas on va où là. On va à un endroit un peu tranquille. Ouais, et c'est quoi ton endroit? Je veux bien savoir c'est quoi ton endroit, je suis un peu curieux. Vers Neuilly, tout ça. Oh putain, les beaux quartiers. Les beaux quartiers. Putain. Alors t'es frérot, j'ai enlevé le. Ça là, le off là. Start and stop. Tu vas me dire pourquoi j'ai enlevé? Parce que j'aime pas. Je déteste m'arrêter au feu rouge, ça s'arrête, ça redémarre. En plus apparemment ça, si j'ai bien compris, ça peut te niquer le turbo. Tu vois, parce que vu que t'es en turbo, il est en marche pendant que tu roules. Et tous les 2 mètres, tu vas t'arrêter, bah, mon moteur s'éteint et il rallume. Mais et tu consommes un peu moins, je pense. Ouais, mais j'aime pas. Parce que ça va niquer le turbo. Et en plus, une voiture comme ça, à 200 000 euros, frérot, c'est tombé. Tu vois. Tiens, tête de Wamp. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ouais, c'est vrai, il en faut du coup pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est bon. C'est une autre question, ça. Ouais, franchement, ça va. Sinon, c'est. Celle-là, franchement, pour un AMG. Et toi, on l'a laissé fermer. Ouais, parce qu'il pleut. Il pleut, voilà, ouais. C'est mais contrairement à un 63 AMG normal, on va dire, celle-là, elle est fait plus encore berline, tu vois, fait plus encore sportive, ce que j'aime bien. Après, est-ce que pour une voiture de tous les jours, ça passerait ça? Je sais pas. Bah, faut la vie qui va avec, je pense. C'est ça, que je me dis, tu vois. Parce que je sais pas si je me verrais aller à Carrefour de Rancy ou à Paris Nord avec celle-là, tu vois. Ouais, c'est un peu dangereux quand même. Celle-là, faut la garer dans un box, hein. Cramé, hein. Les rayures vont vite. En plus, avec les jaloux qu'il y a dans la vie, les coups de tournevis, les coups de clé, on a connu tout ça. Je vais te dire. Voilà. Ah, très très beau. Mais sinon, c'est, ouais, c'est un rêve. Hein. Là, je compte juste un truc là que je pense que jamais de ma vie j'aurais pu conduire. C'est vraiment un rêve, tu vois. C'est pour vous. C'est pour vous, la famille. Tout ça là, ce que je fais, c'est pour vous. Voilà. Tu vois ce petit rappel, frérot là? Le typo mot AMG Affalterbach, ça c'est la maison AMG, tu vois. Tu en rappelles partout. Ah. Oh, master, t'as même le son, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est incroyable, frérot. Je peux rien dire. Donc là, on va à gauche, hein, tu m'as dit, c'est ça? Neuilly? À gauche. Ouais, c'est ça, Neuilly. Ouais, tout ça. À fait. Ok. Alors, frérot, je vais vers Neuilly, frérot. On a le plein, c'est bon. Oh putain. Voilà avec quoi on a fait notre première vidéo. Voilà, c'était un iPhone 7 aussi, j'en sais rien du tout. Donc désolé pour la qualité les frères, mais là j'étais pour rien. Voilà. Putain, périph' bouché bien sûr. Un peu de circulation. Voilà, c'est un peu la merde. Donc là par contre, c'est normal qu'il fasse nuit dehors. C'est parce que là on est en décalage horaire, donc ne vous inquiétez pas, là, il est 4h30, hein, 5h30. On est encore
en période de couvre-feu, donc on respecte bien sûr, pas de souci. Et je tiens à préciser que toutes les mesures sanitaires ont été prises par rapport au COVID. On a 30 minutes devant nous. Voilà. Là, on va faire ça bien. Oh putain. Quelle vie. Quelle vie vraiment. Tu vois là, quand je roule comme ça, là je m'imagine c'est à moi là. Tu vois là, je me dis moi c'est à moi. Pour une heure c'est à moi. Voilà. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais moi, tu vois, je suis pas un menteur. Voilà me dire j'ai acheté ça, 200 000 euros, voilà. Alors que je mange des cailloux, tu vois. Non non non. J'essaye. La grosse caméra frérot là, c'est quoi cette caméra que tu m'as ramené là? On n'est pas couché. On dirait les trucs de comment ça s'appelle là? Même t'es dans la vie du mec là, tu le suis là à la trace là. Putain de merde. Tu me suis hein? Ouais toujours. Évidemment la caméra on répète hein. Tchétchène, hein? Le fameux Tchétchène, la caméra. J'ai initié un petit peu. C'est bel et bien moi. C'est bel et bien lui, voilà. Là c'est bon. Voyez bien le volant, je tiens avec deux mains, j'aime bien, ça roule bien, c'est fluide, voilà. Voyez. Qu'est-ce qu'on met de plus? Quelle fluidité. À part un AMG, qu'est-ce qu'on met de plus à part un AMG? Même dans ce genre de voiture, j'aime pas mettre de la musique. Tu vois, parce que la musique c'est relou. Tu préfères écouter le moteur? Exactement. Parce que un moteur AMG, je suis désolé, c'est une mélodie. Tu vois, c'est Vivaldi, c'est Beethoven, c'est du classique. C'est une symphonie, voilà, c'est chercher le terme, une symphonie. Symphonie allemande, AMG. Tu vois, ça ronronne, t'es bien, t'es azolé, tu vois, du. Tu vois, il a envie de partir, mais non, je le retiens parce que sinon il se taille. La caméra, elle a envie de s'envoler. Aussi. Voilà, tu vois, là je très bien que là, il part et je ne le vois plus. Je ne vois plus l'AMG, c'est fini, tu vois. Donc, je le tiens en laisse. Un AMG, il faut le tenir en laisse, sinon t'es mort dans le film. Tu vois, tiens, ah putain, ah d'accord. Il fait chier, tu vois. Voilà, bon, quand il est en confort, c'est un petit chihuahua. Mais quand tu le mets en race, c'est un pitbull. Ma. Moi, j'ai peur carrément d'accélérer, tu vois. C'est là, frérot, on sort à Bologne. Tu mets dans 92, apparemment. C'est bien ça. Dans la ville de. Yafa, si je me trompe pas. Voilà. On sort. Ah d'accord. Ah ouais, j'ai compris. La sortie elle est énervée. Ah ouais, j'ai failli. Voilà. Donc là on va à gauche, vers Saint-Cloud. J'aime bien frérot. Tu sais pourquoi je t'aime bien frérot? Eh, tu m'emmènes dans les beaux quartiers. En plus, je suis en MG63, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Là, la voiture avec le décor. Tu vois? Là, tu me surprends, là, j'aime bien là. Là, t'es bon là. Parce que là, t'as l'air enroulé, bon, voilà. Dans le 9-3, c'est pas très bien famé, tu vois. Mais ici, je suis bien. Là, je suis bien. Je suis très bien qu'il m'arrive rien du tout. Je suis 92. En sécurité. Je suis en sécurité, je suis à la maison. T'as la ceinture? Et bien sûr. Toujours. Important. Important. 3 points moins sinon. Donc là, frérot, là-bas, il y a la police. On va pas aller vers eux parce que. Je suis en règle, mais voilà. Par contre, les routes ici, les routes, c'est des routes boulevard haussmannien, c'est ça les routes critiques à la base. Hein. C'est les routes de Paris. Hein. La route, c'est que Paris avant, c'était comme ça avant. Que des pavés. Il y avait que des pavés par terre. C'est les vraies routes, ça. Ah, je sais de quoi je parle. J'ai de la bouteille. Ah, même. Mais c'est quoi cette voiture? Mais c'est démoniaque comme voiture, ça. Ah vraiment c'est démoniaque comme voiture ça putain. On en parle du téléphone. Bah écoute frérot il y a j'ai un problème dans ma vie, c'est parti en couille à un moment. Ouais, c'est vrai que le téléphone ne va pas du tout avec la voiture. Ça je vous l'accorde, vous voyez bien. Un iPhone 7 Plus, écran cassé en plus avec un 63 GT. Voilà. C'est ça. Moi t'as vu comment j'appelle ça? J'appelle ça le charme du ghetto frérot, tu vois. C'est parce que là, c'est pas tout à voir. C'est soit ça, tu vois. Là c'est pareil, si les keufs ils m'arrêtent dehors là, ils me disent voilà, mettons je suis en hors couvre-feu. Je suis en. Après 18h je suis dehors et ils m'arrêtent. Ils me disent monsieur vous êtes pas chez vous. Je vais dire quoi? Mais monsieur, je suis chez moi. Parce que la voiture c'est ma maison. Vu le prix qu'elle a,
C'est ma maison la voiture. Le prix de l'appart. Bien sûr. Mais frérot, ça rêve. Non, vraiment, je peux rien dire cette voiture. Ouais, je peux rien dire, tu vois. Je pense que juste le mot AMG, ça en dit long. Le Parc des Princes. On a reconnu ici, je pense. Voilà, le Parc des Princes. Notamment Mbappé buteur. Ça passe tout droit. Oh putain, c'est quoi ça? Et puis, c'est un match, je pense, ce soir. Donc, en plus, évidemment, on va se faire remonter les bretelles. Oh putain de merde. Ils vont nous contrôler. On est mort dans le film. Voilà. Ah d'accord. Ah d'accord. Il y a des supporters ici. Tout le monde nous regarde. Voilà, on est en C3, c'est normal. La dernière fois iPhone 6, c'est pas de vie. Hey, on a investi des moyens, micro, tout ça, cravate, caméra. Et ça, c'est qui pour vous? Il a mis la montre pour l'occasion. Il a mis la montre pour les grands moyens. Ce matin, je t'appelle à la salle, t'as vu, sorte de toi, Robes. C'est parti. Bah, écoutez, bah, on démarre direct. Hein. Maintenant, vous avez vu les coulisses, on démarre direct. Donc là, je profite. Regarde le coffre. Espace de coffre très très volumineux. Évidemment, électrique. Voilà. Oh, ça, c'est. C'est AMG, c'est AMG, frérot. Donc là, AMG merci. On se retrouve. AMG GT 63S. AMG GT 63S. Pour les connaisseurs, celle-là c'est du V8. 585 chevaux. Je ne me trouve même pas. 0 à 100 en 3 secondes 2. Celle-là, elle arrache le bitume. L'asphalte carrément, je vais te dire. Mon frérot, viens, fais un petit tour. Suis-moi, je vais te montrer. Donc là toujours tu vois logo AMG en noir, il passe plus crème, enfin tout carrément est en noir. Hein. L'écriture même, le logo il est en noir. Comme ça au moins ça passe mieux, tu vois. Tout est noir, c'est beaucoup mieux. C'est plus sombre frérot. Tu vois, j'aime bien. Évidemment, les 4 sorties de peau, AMG, tu vois. Ça c'est encore plus. D'un fois on a vu le cul là, c'est la 45S. Mais tu vois que ce cul là, je sais pas tant du quoi frérot, mais c'est incroyable. Ça c'est un vrai cul celui-là. Un cul complète, tu vois. Alors là, regarde un peu, viens, regarde-toi, regarde la taille de la voiture, la taille, la longueur de la voiture. Incroyable, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, tu vois. C'est un truc de ouf. Et ouais. Donc là, tu vois, jante, je crois que c'est du 20 pouces. Hein. Étrier de frein jaune, avant c'était rouge, mais ça dépend d'AMG, tu vois, ça dépend comment ils font les choses. Donc là, l'arrière, putain, on va l'ouvrir, voilà, tu vois, c'est tactile. Regarde l'espace, frérot. Je rentre à l'arrière. Oh putain. Tu vois, tu me regardes là frérot. Là je suis bien. Début c'est un peu serré. Tu vois, là on est. Là c'est un peu relou. Mais avec cette voiture là frérot, je pense qu'on peut faire VTC. Tu vois. Uber en MGT c'est bien. Bah tu sais quoi, c'est une idée pour une vidéo ça. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est une idée ça. On va vous faire un jour un tour en Uber en MGT. Oh putain. Hop là. Je referme. Donc passons à l'avant de la voiture, je t'en prie. Là, toujours évidemment V8 biturbo, on rappelle, je rappelle AMG, ça bouge pas. Viens, viens, alors là c'est incroyable. Là. Regarde-moi l'avant. La dernière fois, on m'a fait une remarque. On m'a dit, ouais, frérot, l'avant, ta voiture, on l'a pas trop vu, c'est normal. Bah, je dis, frérot, la dernière fois, on l'a fait avec un iPhone 6. Mais comme là maintenant, elle a une caméra, on peut se permettre de faire un peu chose mieux. Admire, voilà. C'est incroyable, tu vois. Regarde-moi cette tête. Parce que tu sais, frérot, pour moi, les voitures, elles ont des visages, elles ont un regard, tu vois. Compare un Clio 2 avec un AMG, le Clio 2, il est gentil. Il a deux gros yeux, un petit peu, il fait un peu le miskin de la classe. Alors que celui-là, c'est le hagard de la classe, tu vois. C'est un requin. Il te mange, tu le témoins, t'as peur. Imagine celui-là qui arrive derrière toi sur l'autoroute à 180. Appel de fort, tout ce qu'il faut. Mais tu décales direct. Il te fait peur. Il te mange. Incroyable. Frérot, viens voir ça.
Tu vois ça là? C'est quoi ça ton avis? C'est que les connecteurs, ils savent ce que c'est. C'est le son. Option Mercedes, tu vois. Je sais pas si c'est Armand Cardon, si c'est un autre celui-là. Celui-là c'est quoi? Burgmaster? Ouais, voilà, c'est le même délire. T'as un son frérot, il est épuré. On verra ça tout à l'heure. Évidemment, rappel AMG par terre, c'est normal, ça bouge pas. Voilà. Donc viens, si tu veux. Ah, j'ai l'oublié. Ah, j'ai l'oublié. Le moteur. Tout de suite. Je t'ouvre le capot tout de suite. Bouge pas. Hop là. Parce que le moteur, c'est incroyable aussi. Faut en parler. Faut en parler du moteur. Donc alors, si je me trompe pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a, frérot? Ah, c'est un moteur. V8. Tu vois? Ah, je voulais parler de ça. Tu vois ça? Viens ici, filme ça, frérot. Tu vois? Donc ça, frérot, c'est le logo AMG. Et tu vois, de suite, mettre Handcrafted by Family Stahl. Tu vois, c'est vraiment le mec qui t'a fait le thermo. Parce que là-bas, chaque voiture est faite uniquement. Tu vois, c'est fait à la main par chaque mec, à l'ouvrage. Et à la fin, il signe la voiture. Tu vois? Donc merci à Family Stahl. Voilà, si tu regardes la vidéo. On passe un grand salem au frérot, Family Stahl, voilà, Automito. Donc là, thermo, sinon il est balèze, hein. Putain, c'est celui-là, là, c'est un avion. Voilà, donc là, on va passer à l'intérieur de la voiture, on va entrer dedans. Donc frérot, je t'en prie frérot. Juste écoute-moi ce son de porte. Tu vois le son de porte? C'est un vrai son de porte Mercedes. Bah on est à l'intérieur de l'avion hein. Tu vois là ça c'est un avion celui-là frérot. C'est un peu comme la 45 la dernière fois, c'est la 45 là. Sauf que là c'est beaucoup plus grand. Et c'est plus sobre on dirait. Tu vois, même tellement la console centrale elle est immense hein. On dirait un avion de chasse, la console centrale avec plein de boutons partout. On va le démarrer. Alors, on va mettre les contacts. Le début de l'écran, j'adore ça. Ça, j'adore. Ah, j'adore ça, moi. Voilà, version cockpit. Lumière toujours partout, lumière d'ambiance. Voilà, qu'est-ce que je te disais plus, le volant est très très épuré. Frérot, on va le démarrer, hein, frérot. Tu veux dire quoi de plus? Voilà, au démarrage, c'est ça. Là, on n'est pas à froid, là. On a déjà un peu roulé avant, donc on n'est pas à froid. Donc, le moteur, il est déjà un peu chaud. Donc que dire? Bah écoute, là t'as comme d'habitude la molette pour changer le mode confort, sport, sport plus, race. Voilà. Ça c'était gratuit, hein, c'était pour moi. aussi individual, pardon. Individual, c'est quand vous réglez, quand vous voulez sélectionner, vous modifier ce que vous voulez à votre, comment vous voulez la voiture quoi. Ensuite aussi les pots. Tu vois ici c'est l'ouverture des pots. Voilà, là les pots sont ouverts. Là c'est le coffre, c'est pour ouvrir le coffre à la derrière je crois. Voilà. Tac, on ferme les pots. Voilà. Donc là t'as le menu. Enfin après c'est simple, hein. C'est une construction très simple. Hein. Voilà, trajet, nav, tout le bordel. Voilà, c'est limiteur, tac, voilà, ouais, c'est la molette. Hein. Ça j'aime bien. Tu vois la petite molette AMG. Tu vois là c'est. Ça change. Tu vois, tu mets les rapports, NDP, voilà, comme tout le monde. Là, t'as pour un petit rangement ici, là, tu vois. Je vais reculer, je fais pas très bien. Tac. Voilà, petit console de rangement ici. Voilà. Taux ouvrant, évidemment, n'oublie pas le taux ouvrant. Voilà. Les sièges en cuir. Tu vois, full cuir, les sièges. Avec le rappel toujours ici. Je vais mettre le flash pour que tu vois bien. Le rappel AMG partout, sur la pute-tête. Ça, on vous connaît les mecs et les meufs, surtout les meufs. Les snaps avec la pute-tête comme ça, là, vous faites ça avec votre snap, là, tu vois, en train de snapper la pute-tête. D'ailleurs, je vais en faire un moi aussi. Parce que frérot, je suis dans un AMG. Faut que j'envoie du vous sur snap. Donc là, frérot, j'ai obligé de le faire. Voilà. Alors, mets bien la pute-tête. Voilà. Et là, tu vois, il n'y aura que les connaisseurs qui vont dire, ah oui, dans un AMG, c'est bon. On enregistre, on en story, c'est bon, tout de suite, c'est bon. Voilà. La qualité de l'iPhone. Ouais, mais ça, frérot, encore, c'est pas grave. Parce que je suis dans l'AMG. C'est-à-dire, ils vont rien dire, les gens. Tu vois, bon. C'est bon. Là, vraiment, viens voir tellement les pots, comment les pots, ils sont en train de fumer, frérot. Tu les, tu les vois, les pots ou pas? Pardon, mon frère. Voilà. Est-ce que tu vois bien les pots? Ah, tu vois? Voilà.
C'est incroyable. Fumé tu. Ouais. C'est vrai que fumé tu. Donc là, je pense que d'ailleurs, tu vois l'aileron. Ah oui, bah tiens, l'aileron. Tout à l'heure sur le volant, il y avait une petite molette. Tu vois, en dessous des pots. Bah c'est ça la molette, pour ouvrir l'aileron. D'accord. Donc là, qui donne un style super agressif à la voiture. Déjà qu'à la base, elle est agressive. Mais là, avec l'aileron, on peut s'envoler, frérot. Tu vois. Donc c'est bien ce que je dis à un avion. Moi, je pense que c'est bon, là, on va y aller. On y va. D'accord. Alors attends, frérot, je tiens à vous dire d'abord quelque chose. Déjà, pour la voiture, je remercie beaucoup GoFast Location. Que je vais mettre sur la vidéo, elle va s'afficher en dessous là. Je vais voir son Instagram, son Snap et dans la description aussi. Je tiens à remercier aussi Tchétchène la caméra. C'est un très bon cadreur, merci beaucoup. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer encore une fois ou d'autres voitures que vous voulez voir qui, bah, prochainement qui pourraient venir sur la chaîne. Et puis bah, aussi des suggestions, ce que vous voulez. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Bisous.